à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu à contre-jour, mais j'ai pas de quoi poser ma caméra de l'autre côté, donc on va faire comme ça. Là il est 7h33, je dois partir littéralement dans 2 minutes. Je vous fais cette petite intro pour que vous compreniez un peu. Ça va être quelques jours dans ma vie. En fait j'avais commencé à vlogger lundi et ça m'a saoulé, parce qu'en fait lundi, mardi, mercredi, j'avais rien d'intéressant à filmer, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit, je vais reprendre jeudi parce que comme ça il y a le week-end et tout. Donc là ça sera quelques jours dans ma vie. Donc je vous embarque avec moi. Comme je vous ai dit, on est jeudi. J'ai cours de 8h à 18h. Un peu la flemme. On va pas se mytho. En plus là c'est la reprise. C'est compliqué. Bref. Donc voilà, là je me suis préparée. Il faut que je mette mes chaussures, que je prenne ma lunchbox et que j'aille en cours. Mon père me dépose, donc c'est super sympa parce qu'on est vraiment à 10 minutes en voiture mais à 1 heure en transport. Donc il me dépose et puis voilà. Mes cernes là, madame, ça j'aurais dormi la nuit. Oui, je ne dors pas la nuit. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse à cette question. Bref, il est 19h. Et j'ai fini à 18h. Donc comme vous avez vu, j'étais en cours et tout. Ce matin, on a fait un cours où on a utilisé le logiciel qu'ils nous ont installé sur nos ordinateurs. La suite Adobe, sauf que moi, comme mon ordinateur est beaucoup trop vieux, j'ai pas. Alors que je paye pour. Mais je l'ai pas parce que mon ordinateur il est trop vieux, il peut pas prendre la suite Adobe, elle est trop récente par rapport à mon ordi. Du coup j'ai suivi avec ma copine et tout, bref. Après on a fait quoi? Après on a fait nos CV, après on a fait, je vous raconte en mode c'est intéressant, mais moi j'ai envie de vous raconter, donc je vous raconte. Après on a fait nos CV, après on a fait une affiche, on devait faire une affiche pour une journée porte ouverte, je sais pas quoi, bref. Du coup j'ai fait ça, je t'ai envoyé tout, et après le soir on a corrigé un partiel et on a fait du cours, bref. Là ce que je vais faire c'est qu'il faut que je finisse mon CV, il y avait des petits trucs que je devais modifier, il faut que je l'envoie à Mali plus tard ce soir ou demain, mais si on va bien faire ce soir si j'ai la foi, et puis voilà. Demain je n'ai cours que jusqu'à 10h puisque la prof d'anglais est pas là, donc qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas, je pense que je vais rentrer ici me reposer. Je me suis dit au début je sors à Paris et tout, mais en fait je vais à Paris samedi, donc on va rester à la maison et tout, ça m'évitera de dépenser des sous pour rien, voilà. J'ai mal au crâne à cause de mon casque. J'ai eu cours que pendant 2 heures. On a corrigé le partiel et on a fait un examen. J'ai eu 15. Je suis trop contente. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ma douche, je vais me mettre en pyjama parce que je suis explosée et j'ai une envie de me faire un smoothie. Donc je vais me faire un smoothie et je suis passée à la boulangerie. Je me suis pris 2 pains au chocolat. Donc voilà, là c'est le programme. Après je vais faire des trucs sur mon ordi. Je vais essayer d'avancer, j'ai essayé de voir si j'ai des devoirs et tout. Bref. Du coup là le plan c'est juste douche et manger parce que vraiment j'ai faim. Du coup là.
je viens de finir de manger et je suis devant une petite vidéo tranquille avec une petite bougie. Et je vais faire un petit peu d'organisation, j'ai des petits trucs à faire, il faut que je fasse une lettre de motivation, il faut que je postule en ligne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai des idées de vidéos. J'avais commencé à... Je l'ai fait où sur Google Doc? J'avais commencé à planifier et tout. Et du coup j'aimerais bien continuer. C'est une idée de vidéo que j'ai depuis, je sais pas, peut-être depuis l'année dernière, vers le mois d'août, je crois, j'ai cette idée. Et je me suis dit, j'ai jamais eu le temps de le faire. J'avais commencé lundi. Et là, j'aimerais bien finir comme ça. Bah, je peux essayer de tourner la vidéo et voir ce que ça rend. Petit programme, on prend les choses doucement. Je suis fatiguée, c'est la fin de la semaine. J'ai regardé, j'ai pas spécialement de devoirs. Je voulais avancer sur un truc qu'on doit faire en classe. Je me suis dit, comme ça en classe, j'arrive pas à travailler avec du bruit autour de moi. Donc, je me dis, comme ça en classe, je l'aurais déjà fait, mais j'ai un peu la flemme. Donc. Je sais pas, et si j'ai le temps de cet après-midi aller en course, j'aimerais bien. Et puis voilà, donc là on va partir sur une petite organisation. Je vais organiser ma journée de demain, je vais faire mes comptes et tout. Et après je vais faire ce que je vous ai dit, la lettre de motivation, le mail et la vidéo. Voilà. Fin d'après-midi, il est 16h et je vais aller en course. Je suis fatiguée. Là, j'étais en train de regarder Netflix en même temps. Je faisais des petits trucs. J'étais en train de faire de motivation, mon CV et tout. J'ai fini d'envoyer le mail et j'ai fini le truc pour la vidéo que je voulais faire. Bref, j'ai fait des petits trucs que je voulais faire. Je suis contente. Et là, je vais me préparer pour aller en course. Je vais aller à Lidl et je vais aller acheter plein de trucs. Parce que je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais en tout cas, je l'ai dit sur Insta, maintenant j'ai une cuisine. La pièce d'à côté, c'est ma cuisine. Et je suis jamais allée en course, donc faire les premières courses pour ma cuisine, j'ai rien à part une bouteille de jus. Et puis c'est tout. Donc là, je vais aller acheter plein de trucs à manger pour mettre dans mon petit frigo, dans ma petite cuisine. C'est parti. Là, j'ai vu qu'il y avait la deuxième saison de... je sais plus comment ça s'appelle. Gina, Georgia, je sais plus quoi. Du coup, je vais regarder ça ce soir. Et qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté, vous savez, le côté boulangerie chez Lidl. Une petite pizza. Une petite pizza et un pain avec du fromage. Ça m'a donné envie. Du coup, mon petit repas de ce soir et un dessert, je me suis acheté une petite glace. Je suis très contente. Donc ce soir, c'est petite soirée. Netflix, donc je vais me préparer ça, je vais regarder Netflix et après j'irai dormir et nous on se retrouve demain quand j'irai à Paris. Du coup là vous aurez des plans mais je vais pas reparler jusqu'à demain donc... Il est midi 40 et je suis partie me chercher un Starbucks. Je suis restée là-bas,
J'ai fait du journaling et j'ai mangé tout tranquille. J'avais réservé mon entrée pour aller au Louvre à 13h30 parce que là j'ai envie d'y aller. Et je suis passée devant et il y a énormément de monde, mais vraiment genre, on dirait les vacances. Bon après on a un samedi donc je comprends qu'il y a beaucoup de monde. Mais du coup voilà, je vais essayer de voir si je peux rentrer tout de suite. Parce que là je viens de me promener un peu, ça y est, mais j'ai froid, j'ai envie de rentrer au chaud dans le Louvre. Et du coup voilà, et le programme pour après c'est que j'aille à la pharmacie, à la parapharmacie m'acheter des crèmes pour le visage, la roche-posée parce qu'elle a des boutons et tout, ça a plus du tout. Et du coup voilà, là je finis juste mon latte, je fais des petites photos de ma tenue et après je vais essayer de rentrer au lit. Et si je rentre pas, bah je vais faire photo. Voilà. Je te laisserai tes mains en dessous de ta porte. Alors là, je suis toujours au même endroit, ça fait 1h30, j'ai regardé l'heure et je suis choquée, ça fait 1h30 que je fais du journaling, genre. Je suis choquée de comment le temps est passé vite, carrément, ils ont allumé les lumières. Genre ça fait très... quand ils ont allumé, j'étais là, oh, j'adore, très bougie, on dirait que j'ai allumé une bougie, la lumière. Du coup, là, je commence à avoir un bizarre pipi. Donc, et puis il me reste tout le reste du musée à faire. Je savais que je voulais venir ici rester longtemps pour faire mon petit journaling et tout. Mais du coup là ça y est, je pense que je vais finir ma page et je vais aller faire pipi et je vais aller voir les tableaux. Là je, du coup voilà, il y a des gens qui sont assis à côté de moi. J'ai pas aimé l'expérience alors que les bancs à côté ils étaient vides. Laissez-moi tranquille. Bref, du coup voilà, je finis ma page pipi et on continue. De la qui charme. Tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous d'un temps d'hiver. Et quand tu es s'abandonné, ramasse-moi. Quand tu voudras, ramasse-moi. Quand tu voudras. Là je suis rentrée, il est 18h30, j'ai fait ma douche, je me suis mis en pyjama, j'ai fait mes soins, j'avais envie de me laver les mains, je sais pas comment, parce que tellement il y avait du monde dans le métro, là, mes mains contre la barre là, du coup j'avais vite envie de me laver les mains. Après le Louvre, en fait j'étais en train de faire le Louvre, enfin de visiter le Louvre, et en fait là où je suis allée, en fait j'ai attendu qu'il y ait moins de monde là où j'étais en train d'écrire là, et je me suis dit vas-y c'est bon, il doit y avoir moins de monde. Et en fait c'était horrible, ils étaient tous là où il y avait la Joconde et tout, le grand tableau, enfin bref, c'était horrible, il y avait trop de monde. Du coup ça m'a saoulée, j'ai fait les trucs vite fait et je suis partie. Après j'avais pour but d'aller me promener vite fait à Rivoli pour aller acheter des trucs. Je devais aller à Emma m'acheter des fiches révision, la parapharmacie m'acheter des crèmes et tout. Et ici il y avait pleuvoir sur la gueule, pleuvoir, donc j'ai pris le premier métro le plus proche de moi. Et puis je suis rentrée, donc voilà, mais en tout cas j'ai passé une super bonne journée, j'ai kiffé là, passer mon 1h30 assise en train d'écrire et de regarder. J'aime bien regarder les gens, comment ils sont habillés et tout, bref, j'aime bien. C'est pas que je les juge, mais je sais pas, j'aime bien regarder les gens. Et voilà, c'est tout, c'était ma petite journée, super sympa, j'ai kiffé. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way.
that our love has capsized. For no one, Mother Nature raised a new son.